Attaque djihadiste présumée à Mankena dans la région de Tombouctou. Selon des sources locales, deux civils dont un notable ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi. En Libye, deux attentats suicides perpétrés par le groupe djihadiste État islamique à Sirte ont été déjoués jeudi par les forces soutenant le gouvernement d'Union nationale. La ville de Sirte est sous le contrôle de l'État islamique depuis un an. Au Burundi, l'ultimatum de 15 jours donné aux insurgés de la commune de Mugamba par le président Pierre Nkurunziza est écoulé. De nombreux jeunes fuient vers d'autres localités par crainte des répressions à l'heure où les policiers continuent d'affluer en grand nombre. Tension entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Selon un communiqué du ministère érythréen de l'information, plus de 200 soldats du Front de libération du peuple du Tigré ont été tués et plus de 300 blessés ce jeudi.